Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Alger Chaîne 3. Avec nous. Avec plaisir, nous retrouvons Sami Alloun. Bonjour Hakim. Bonjour. Bonjour Soraya. Bonjour Samy. Alors dans l'épisode de Cyberespace aujourd'hui, nous allons revenir sur le Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme de la numérisation, ordonnant à tous les secteurs de numériser leurs données confidentielles en préparation de l'infrastructure propice à l'hébergement de toutes données au sein du territoire national. Après la présentation du rapport sur l'état actuel de la stratégie nationale de numérisation, le président de la République a insisté sur l'avancement rapide du processus de numérisation en mettant l'accent sur la nécessité d'accélérer le rythme de travail jusqu'à arriver à l'objectif zéro papier, soit la numérisation complète de tous les secteurs. Le président de la République a ordonné aux ministres du gouvernement d'accélérer cette transition, ce passage du papier vers un format plus moderne et plus connecté, à la fois plus facile pour le partage, l'envoi, la réception de toutes données, documents ou informations, beaucoup moins contraignant pour le citoyen qui aspire à effectuer ses démarches administratives sans pour autant faire face à des entraves et à des complications non justifiées, accéder ainsi à un service public moderne qui s'appuie sur des infrastructures robustes, à même de pouvoir gérer une grande quantité d'informations et la sécuriser. Par rapport aux infrastructures, aux data centers, soit centres de stockage d'informations, c'est la haut-commissaire à la numérisation, Mariem Ben Mouloud, qui a reçu l'ordre de préparer une présentation concernant la conclusion du contrat avec la société Huawei, afin d'établir un centre de données national et faciliter la mise en place d'une numérisation à tous les niveaux. Le fournisseur chinois Huawei, spécialisé dans les équipements IT, les infrastructures technologiques, a, à différentes reprises, secoué le monde de la technologie, avec des innovations qui emploient les derniers concepts liés à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, et se caractérise par une maîtrise de la connectivité pour établir les fondations d'une société plus connectée. Un système de gestion plus connecté signifie également plus transparent, donc plus de traçabilité, à même de lutter contre les maillons faibles qui essayent de résister au changement. L'opacité peut être grandement diminuée à l'aide du numérique, de l'informatisation et de son application stricte au sein des différents secteurs.